je pars en Laponie. Naya me demande si ça le paye dès la fin. Oui. Je pars en Laponie. J'embarque le temps pour moi dans mes poches. Je pars au pays des merveilles. Un son de cloche. Un souvenir lointain. C'est ma terre promise, mon Excalibur, mes racines, mon chemin. J'en reviens. La magie me reviendra. Je retrouve mon ADN, mon jardin d'Éden, et tout ce qui me connecte en mieux. Dans l'avion au-dessus des nuages, une autre dimension, un œil extérieur au-dessus des dessins. Je me rends compte de la multidimensionnalité de nos vies, souvent cachée par l'épaisse brume cotonneuse. En haut comme en bas, à gauche comme à droite, au milieu comme autour. Il me suffit juste d'avoir foi, le pilote, l'avion, les ailes, le ciel. Je sais pas ce qui m'attend, je suis excitée comme lors de mon premier grand voyage. Une émotion qui depuis m'avait quittée. Je sens comme un fil invisible qui me relie à quelque chose dont j'ignore la portée. Je n'ai ni commencement ni âge, mais bien au-dessus. Bien au-dessus des nuages. Observant mes pensées qui s'emballent, je me connais. Et je me calme. Ce n'est que le bon moment. C'est maintenant. Je suis prête. La lune bleue descend comme des mains. Je pose mes pieds à terre, déjà je m'enivre. Je respire à plein poumon le nectar glacé. Je reconnais les fragrances de l'esprit qui me grisent. Je reviendrai.